Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, on a décidé de parler un tout petit peu du programme MLSA. Mais avant de parler du programme MLSA, je voulais parler un tout petit peu du cloud native et puis de Copilot, the use of Copilot. Mais malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour pouvoir parler de ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse commencer. On va parler du programme MLSA. C'est pour ça que je demandais tous ceux qui sont là pour comprendre un tout petit peu comment MLSA ça fonctionne. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on va Discord. Ok, d'accord. Donc, c'est un tout petit peu ça, c'est ça qui se passe. C'est un peu ça. Je suis en train de vous présenter actuellement MLSA, le programme MLSA en fait. En gros, on a migré de, comment je vais dire, des réseaux sociaux pour aller sur Discord. Donc, tout le monde peut accéder au Discord. Même si tu n'es pas MLSA, là, vous allez voir comment est-ce que ça se passe et vous allez découvrir, vous allez apprendre et puis devenir MLSA. Ils ont modifié leur système maintenant. On avait parlé de registre et de application avant, mais à partir de janvier, ils ont tous migré vers le registration. Le registration, c'est quoi? C'est le fait de faire l'enregistrement sans toutefois apply, mais en complétant quelques requirements pour pouvoir MLSA. Les requirements là, ce sont quoi? Ce sont les différents exercices à remplir, à savoir des exercices comme l'apprentissage sur GitHub et puis les partages sur les réseaux sociaux. Alors, commencez avec ici, ce document que je suis en train de vous présenter, c'est comment est-ce que ça se passe et les pas pour pouvoir devenir MLSA. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le registration sur le site de l'ambassadeur, mvp.microsoft.com. Deuxième des choses, il faut rejoindre le Microsoft Student Developer Community on Discord. Ensuite, troisième des choses, il faut aller dans le channel Get Started Start Here, le channel que je vous ai montré tantôt. Je vais revenir là-dessus. Dans ce channel-là, vous allez voir tous les liens qui sont appropriés à vous et les ressources pour pouvoir lire et comprendre un peu MLSA. On va vous attribuer un rôle qui est en fonction de ce que vous avez choisi. De pouvoir faire le pathway que vous avez choisi pour pouvoir devenir MLSA. Et les pathways là sont répertoriés dans le FAQ. Le FAQ là, vous allez avoir tous les paths que vous avez. Les paths, il y a au nombre de trois. On a le premier path qui est le Community Builder. Community Builder, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui construit la communauté, quelqu'un qui parle des technologies autour de sa communauté, quelqu'un qui fait de l'évangélisme, des technologies ou bien des apprentissages qu'il est en train de faire et utilise des outils gratuitement, totalement gratuits pour pouvoir partager ses apprentissages, ses réalisations, projets et tout. Donc, ça, c'est le community et builder. On a le deuxième path qui est le community influencer. Le community influencer, c'est quoi? C'est cette personne-là qui parle tout le temps. Tout le temps. C'est comme comment je vais qualifier ça? Les tontons-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous envoient des pubs tout le temps sur des sites-là. Donc, ils vont te parler de technologies, ils vont te partager des ressources par ici et par là.
Et puis ces personnes-là sont toujours bourrées de ressources à partager, ont toujours quelque chose. Il suffit juste de lui dire que toi, tu veux ceci, cette personne-là va te fournir ça. Donc, on a déjà dans notre groupe MSA Togo des community influencers qui sont là. On a Gisèle qui partage tout le temps des ressources et Tonton le Duc qui partage essentiellement des ressources bien dosées et bien appropriées. Donc, il y a ces personnes-là qui sont là. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement de partager des ressources qui sont des produits Microsoft, qui sont des compétitions, des challenges, à gagner des prix, des hackathons, et tout, et tout, et tout, par ici, par là, des apprentissages, même des webinaires avec des professionnels du domaine et tout. On a donc notre troisième PAF, qui est le Startup Advocate. Le Startup Advocate, c'est cette personne-là qui fait de l'advocacy pour des petites et moyennes entreprises ou bien des startups qui sont essentiellement dans l'intelligence artificielle et les NLP, les AMI, les Big Data. Ma chère Claudia, là, elle va témoigner. Je vais toujours laisser les personnes que je connais qui font dans le domaine. Donc, vous m'excusez beaucoup, prenez-moi comme votre petit frère. Donc, je viens de vous citer les trois papes qui sont là. Et c'est un peu comme ça que ça marche. Maintenant, entre les trois papes que je viens de citer, il y a des, comment je vais dire, et comment ça s'appelle déjà, des requirements que je vais appeler encore. Oui, des requirements, ça dit qu'un quota de quelque chose à mesurer, quoi. Ils ont toujours des KPI à mesurer pour voir est-ce que vous avez vraiment fait votre activité, est-ce que vous êtes dans le programme pour pouvoir avancer et dans les perspectives, est-ce que vous pouvez avancer également en faisant des activités comme ça. Si on prend le premier cas, PAF, qui est le community builder, il suffit juste de faire quoi? Il suffit de builder une communauté de 150 personnes, il me semble bien. Ou bien ça a été diminué. Je ne pense pas. C'est 150 personnes. Si tu builds une communauté de 150 personnes, déjà, ça veut dire que tu as le quota pour devenir Microsoft Lens des ambassadeurs avec et le niveau bêta en même temps. Il y a plus. Oui. Avec le niveau bêta en même temps. Si je me trompe, Washu Brahima, mon cher Gold Successor, il faut me rappeler. Parce que quand on devient Microsoft ambassadeur, on ne passe plus par le nouveau, le new, la partie new, l'étape new. Mais on passe à alpha en même temps. Une fois alpha, tu fais un événement et puis tu deviens bêta. C'est bien ça. Du coup, si tu builds une communauté de 150 personnes, je pense, tu deviens MLSA directement. Ça, c'est le requirement, le premier requirement au niveau du premier PAF. Le premier PAF, ou bien, je dois dire, chaque PAF est associé par ce technical training-là qui est sur GitHub. C'est un court exercice sur GitHub avec des action minutes. Tu fais étape. Tu fais le GitHub, c'est comme des pull requests, tu fais, ou bien tu fais des exercices. Et ça s'actualise après 20 secondes, je pense. Et ça, c'est dans l'étape à suivre. Donc, il y a seulement des exercices techniques sur l'apprentissage du GitHub, l'utilisation de Copilot et ses amis. Ça parle de cela. Et puis, vous allez faire ça. Donc, chaque PAF est associé à ce technical training-là, tout simplement. Alors, continuons avec un deuxième PAF. Deuxième PAF que j'avais dit, qui est le Community Influencer. Le Community Influencer qui partage des ressources et des outils à la commune, à l'endroit de la communauté et a besoin tout simplement de faire 125 unique visiteurs. Oui. Muriel est là.
Et c'est comme si je parle seul. Hein? Ils ne sont pas là, on dirait. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Ok, d'accord. Donc, je disais du coup, pour le programme MLSA et deuxième PAF, qui est le Community Influencer, voilà. Avant, ils avaient mis ça à 2000 unique visiteurs. Maintenant, ils ont ramené ça à 200. OK, c'est 200. 200 unique visiteurs. 200 unique visiteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu auras un tracking ID que tu vas mettre et généralement dans tes ressources que tu es en train de partager. Donc, quand la communauté est en train de voir ces ressources-là, ça va traquer le nombre de visiteurs sur ces différentes ressources-là pour pouvoir actualiser au fur et à mesure ton compteur et pouvoir des partages et tout pour que ça puisse compter les 200 uniques visiteurs. C'est ça. Maintenant, on a le troisième PAF qui est le Startup Advocate. Le Startup Advocate, c'est qui? C'est cette personne-là qui parle généralement des produits Microsoft, mais orientés côté IA. Parce que quoi? IA est un hub au niveau de Microsoft qui prend en charge les startups qui sont en train de développer des outils ou des solutions avec l'IA, OpenAI ou bien tout type d'IA générative. Donc, si toi, Startup Advocate, tu vois qu'il y a une petite entreprise ou bien une startup qui est en train de travailler sur l'IA, tu peux les recommander pour pouvoir rejoindre le Microsoft Founder Hub. Le Microsoft Founder Hub, là, c'est ce hub-là qui prend en charge ceux qui sont en train de développer des outils et avec l'IA. Et vous êtes financé, en fait. Les startups sont financées. Et ces startups-là, ou bien de ces petites entreprises-là, qui sont en train de travailler avec l'IA, vont avoir la possibilité d'utiliser OpenAI pur. Comment on dit, de la coco pure, là. OpenAI pure. Genre, vous avez accès direct à OpenAI, vous avez accès direct à Azure, et vous utilisez Azure pour entreprise, et vous travaillez sur vos solutions. Les solutions là, ce n'est pas que c'est pour Microsoft en fait, non, c'est pour vous, mais eux, ils sont en train de vous booster en fait à pouvoir travailler sur vos solutions et à vous donner ce dont vous avez besoin en fait pour pouvoir travailler. Donc, si tu recommandes une à cette entreprise ou bien startup qui travaille dans l'IA et tout ce qui est intelligence artificielle, tu deviens Microsoft l'insoudé. Ça doit en même temps, en fait, quoi. Parce qu'avec tes compétences de relationnel et management et puis, quoi, là, de négociation et de commercial, technico-commercial, tu as ce pouvoir-là de pouvoir travailler avec des produits Microsoft et de pouvoir distribuer des produits Microsoft. Donc, vous voyez déjà l'objectif derrière les programmes ambassadeurs, les programmes étudiants. C'est pour pouvoir promouvoir les produits à des échelles plus loin, quoi. Ce n'est pas seulement se limiter dans le pays où ces entreprises-là fonctionnent et plus. Donc, c'est pour pouvoir promouvoir ces produits-là. Vous l'utilisez, vous testez, vous produisez, genre vous faites sortir des projets et vous partagez. Ça fait encore la promotion de l'entreprise et les outils de l'entreprise. Vous dites, oh, cette entreprise-là, ces outils-là que cette entreprise est en train de produire, c'est top. Les étudiants l'ont essayé. Et si ces étudiants-là l'ont essayé, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire qu'ils ont déployé des solutions. Et quand ils vont devenir des fonctionnaires ou bien des professionnels du domaine, ils vont tout simplement recommander ces outils-là. Et le cycle, ça continue en fait. C'est comme ça. Là, on vient de parler de cette
pour de ces trois lignes et paf qui sont destinées à vous pour pouvoir devenir MLSA, parce que maintenant on ne fait plus d'affichines pour pouvoir galérer au niveau de la vidéo en disant, comme mon cher ami Was, I am a boy, boy I am, et puis vous saluez Microsoft après des erreurs dans la vidéo, ou bien galérer et puis ne pas être sélectionné sur ces vidéos-là, en fait. Or, qu'une fois que tu commences par apprendre toi-même, tu partages tes succès sur quoi, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et les autres réseaux sociaux, les gens vont tout simplement apprécier, vont liker et vont te soutenir également. En fait, tu ne perds rien du tout en essayant de partager des ressources que toi-même tu es en train d'apprendre, tu es intéressé et tu veux encore devenir MLSA. En fait, tu fais un pied deux coups en même temps, un pied plusieurs coups, en fait. C'est simple. Du coup, quand on finit avec la partie des paf, donc c'est un peu ça, je pense que j'ai avancé dans le joint de technical training. Tu finis le technical training et tu reçois, et 3 à 5 jours après, ton contributeur ID, le tracking ID dont je parlais. Ensuite, tu choisis ton paf, le paf que tu veux faire. Et tu vas utiliser ton contributeur ID pour pouvoir partager tes ressources en fonction du domaine du PAF que tu as choisi. Donc, c'est le PAF là qui détermine en fait ton rôle dans le channel Discord. Maintenant, si tu finis ton technical training et PAF activity et que les requirements sont satisfaisants, tu vas recevoir l'invitation de rejoindre le programme ambassadeur sur Teams directement. Notre Teams qui est quelque part ici. Je vais partager également. Je vais partager tout mon écran en fait pour que vous puissiez voir. Quand tu finis, tu rejoins Teams directement et tu vas recevoir également ton mail ambassadeur en fait. Donc, quand tu reçois ton mail ambassadeur, tu es devenu officiellement Microsoft Learn Student Ambassador, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Je vais partager tout l'écran, oui. J'ai assez d'onglets qui sont en fait. Donc, on va aller chercher notre Teams. Notre Teams, c'est ça ici. Donc, vous voyez un peu. Voici Teams. Est-ce que, confirmez-moi s'il vous plaît, si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Ok. C'est Teams général pour le truc là, non, pour le MLSA, pas pour le Togo. Exactement. Teams est général pour MLSA. Tous ceux qui sont MLSA et ont le mail studentambassador.com ont accès à ce Teams-là. Parce qu'une fois que tu satisfais les requirements, on t'invite dans le channel directement et tu as accès à ce Teams. Et ceux qui ne voient pas Gold Student Ambassador, c'est parce qu'eux ne sont pas encore Gold. C'est pour ça qu'ils ne voient pas ça. Moi, je suis Gold, donc on m'a invité dans le Team Gold ici. Teams Channel Gold. Mais tant qu'on est MLSA directement, on a accès à Community Hub et un autre channel qu'ils ont enlevé parce que on envoyait trop de sources là-bas. Donc, ils ont enlevé ça. Et Microsoft Learn Student Ambassador, ça, ce sont les informations complémentaires qui sont là, ici. Ça, MLSA Togo, c'est nous qui avons créé ça. Azure Data Nexus, c'est un MLSA qui a créé ça également. .NET Cameroun, c'est notre tonton de Cameroun. Et .NET, Monsieur Diouf qui a créé ça et nous a invités également dedans. Il y a des activités qui passent. Je t'ai pas rappelé que j'existe. Donc, je vous présente un tout petit peu comment est-ce que notre Teams est structuré. Donc, voici Teams. Et General Information ici, les announcements, tout ce qui est announcements, ça passe par ici. Les community calls, les démos, les offres, les opportunités.
les voilà les town hall. Les town hall, on fait ça chaque 3 mois. Bon, chaque quoi, et c'est quartalier quoi, à peu près 4 mois après. Mais c'est dans le semestre, on fait ça deux fois dans un semestre normalement. Mais ce n'est pas exactement 3 mois. Ça fait 4 mois. Le semestre, ça compte à partir de décembre à janvier ou bien quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié. J'ai fait trop de mois dans un truc là-dedans. Et Cloud Advocate Event. Les Cloud Advocates, ce sont ces employés de Microsoft là qui évangélisent sur les produits Microsoft orientés cloud. Il y a énormément de personnes qui travaillent au niveau de Microsoft. Il y a les MVP également qui sont là. Après, on va aborder ce sujet-là. Je suis juste en train de vous montrer comment est-ce que ça se présente. Vous voyez cet announcement-là qui est ici, Gold Milestone Nomination Now Open. C'est la période de Gold Nomination. Si tu es bêta et que tu as fait plusieurs activités dans ton parcours et que tu as fait 1 an minimum dans le programme, tu peux être nominé comme Gold. Toi-même, tu peux t'auto-nominer, mais un autre bêta ne peut pas te nominer, mais un autre Gold peut te nominer. C'est dans ce même sens qu'un employé de Microsoft également peut te nominer ou bien un MVP s'il a collaboré avec toi. Dans les Community Hubs, c'est les pays qui sont ici. Généralement, on a notre pays qui est là et on a tout ce qui suit. Ce channel-là, c'est très important pour nous. Channel de Tracy, c'est notre maman. Je pars ici. Alors, on dit tu vas rejoindre Teams. Maintenant, une fois que tu reçois l'invitation, tu vas faire le onboarding. Le onboarding, c'est là où on configure le compte Teams, le compte et mvp.com, microsoft.com, pourquoi on configure le compte M365 et tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voyez ici, j'ai tout le pack de 365 Office et tout ce qui se trouve à l'intérieur avec OneDrive 1 Tera. Donc, j'ai accès à tout ça. Vous aurez accès à tout ça. Vous aurez accès également à beaucoup de choses que vous n'allez pas finir d'utiliser comme moi. Ensuite, receive the official title and certification benefit being a student ambassador. C'est ça également. Si j'ai le site qui est ouvert, ce sera bien. Voilà, j'ai le site qui est là. Donc, vous allez recevoir votre compte et vous allez vous connecter avec un student ambassador. Quand vous vous connectez avec Student Ambassador, vous aurez accès à cette page-là qui est là et vous aurez vos informations et vos certifications de Student Ambassador et votre titre de Student Ambassador, ainsi que vous aurez votre nom affiché sur le site web des ambassadeurs, mvp.microsoft.com. Si vous avez des questions, je vous prie de les préparer au fur et à mesure, comme ça, quand on va tomber dessus, on va en parler. Donc là, c'est moi. Voici donc toutes les activités que j'ai eu à effectuer. Donc, c'est un peu ça. On continue. On continue avec la présentation de la partie Discord. Donc, voici Discord. Si vous rejoignez l'invitation de Discord, je vais envoyer ça. Mais il faudra bien lire l'épreuve que vous voulez faire
avant de continuer. Quand vous venez au niveau de start here, tout ce qu'il y a ici, c'est cliquable. Il suffit juste de cliquer pour aller lire. Si je fais par exemple ça, register and become student ambassador. Si je clique dessus, ça va me rediriger vers le site de mvp.com en même temps pour pouvoir faire mon enregistrement. Donc, il suffit juste de cliquer pour pouvoir lire et de comprendre ce qui est demandé, tout simplement, comme je voulais. Quand vous venez au niveau de Discord, vous allez commencer ici. Vous allez lire. Et puis, vous allez vous attribuer votre rôle que vous désirez. Soit community influencer, soit community builder, soit startup advocate. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après avoir passé toutes les étapes de Microsoft Blend Suite et Ambassadeur? Je pense que la majorité de vous qui êtes ici, vous avez déjà suivi nos webinaires sur les étapes de Microsoft Blend Suite et Ambassadeur, parce qu'on a enlevé l'étape 0 qui est le new maintenant. On commence à partir de Alpha, Beta, Gold. Quand on arrive au niveau Gold, on peut également passer à MVP si on continue nos activités et puis si on est encore plus actif. On peut être nominé comme un MVP. Un MVP peut être nominé ou bien un employé de Microsoft peut être nominé MVP, en fait. C'est ça. Maintenant, après avoir été nominé MVP, je vous décris un tout petit peu le chemin classique. Tu peux être sélectionné comme un cloud advocate ou bien, genre, tu peux trouver un job chez Microsoft dans le programme management ou bien cloud advocating ou bien, comment je vais dire encore, genre dans un domaine spécifique que toi-même tu es intéressé et tu bosses tout le temps en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Si vous ne comprenez pas, posez-moi les questions. On va dire qu'on a parlé un petit peu des nouveautés de Microsoft Lens ou des ambassadeurs. Et on va recevoir les questions. Des questions? Des questions? Des questions? J'attends vos questions. Muriel, Claudia, oui, je suis là. Meda. Non, je ne demande pas si tu es là ou pas. Tous nous sommes là. Bah, j'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes? Je ne crois pas devenir MVP. Comment devenir MVP? Très bonne question. Pour devenir MVP, c'est simple. Il faut charbonner, se faire voir, ne pas rester dans son coin, dans la chambre, là-bas, là. Et puis, toujours parler de ce que tu es en train de faire, présenter ce que tu es en train de faire. Share your love. Genre, partager okay. Votre amour. Ok, je suppose que je fais du flûteur. Je suppose que je fais du flûteur. Je fais du flûteur. Donc, oui. Je partage. Donc, avec flûteur, il peut devenir MVP. Question avec piège, mais je te réponds quand même. Si tu fais du flûteur, tu utilises quoi et quoi et quoi pour déployer tes applications flûteur? Dis-moi. Je le déploie avec les Firebase et puis ces trucs-là. Mais le truc sera hosté sur GitHub quand même. Mais je voudrais, quand je suis développeur flûteur, je voudrais qu'on me reconnaisse en tant que développeur flûteur, avec statut flûteur. Alors, tu vas sur un autre terrain comme ça, hein? C'est pour devenir MVP. Ok. Si tu es développeur flûteur et que tu es intéressé par le programme MVP, je vais te conseiller ceci. Je vais te conseiller d'associer ce que tu fais avec flûteur là
avec des déploiements orientés cloud sur Azure. Comme ça, tu seras reconnu en tant que MVP dans le web, dans les web technology et puis mobile technology development. Parce qu'il y a plusieurs des domaines. Il y a plusieurs catégories en fait pour être sélectionné. J'ai fait un tour. Je viens de faire un tour tout de suite là sur le site de MVP au niveau des catégories. Je n'ai pas vu mobile development. Mais tu as vu web development, web technologies. Ouais, web technology, mais Flutter n'est pas pour le web. Donc je ne fais pas du web. Flutter c'est cross-platform. Tu veux faire du Flutter mobile, web, ouais, et puis desktop. Mm-hmm. Donc tu seras reconnu dans le web technology. Avec statut Flutter, j'ai écrit Flutter quoi. Oui, mais si tu veux être reconnu. Je parle de Flutter de Google. Voilà, maintenant tu es revenu. Si tu veux être reconnu en tant que développeur Flutter avec plusieurs expériences et des connaissances approfondies sur Flutter, je vais complètement t'orienter vers les Google parce que tu es intéressé déjà au prime abord par les technologies Google. Donc, il faudra que tu te spécialises avec les Flutter technologies et tu sois reconnu comme Google Developer Expert au niveau de Flutter. Mais si tu veux aussi être reconnu comme MVP, là, je vais te recommander d'associer le web technology avec tes déploiements sur le cloud en utilisant Azure et tu vas être un GDE et un MVP parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont GDE et MVP. Je ne suis pas convaincu, mais il y a une question dans le chat. Tu n'es pas convaincu à quel niveau? On va finir avec toi. Il faut répondre d'abord à la question du chat là. Et puis on revient. Tu me fais le coup du temps mort, quoi. Ok. Je vois la question du chat. Je vois. Oui, mon cher ami. Quelles sont les nouveautés qui sont introduites dans le nouveau programme? Je viens juste de me connecter. Ok. Avec c'est quoi la nouvelle procédure pour devenir MLSA? Alors, je l'avais expliqué brièvement. Le mythe aussi, bon, c'est enregistré, heureusement. Ça va passer. Alors, pour devenir MLSA, on ne fait plus l'application, comme je l'avais dit. Ce qu'on fait maintenant, c'est le registration. Et voici un peu les étapes qui permettent de faire le registration là en question. Je vais partager ça. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, il faut faire le registration et puis rejoindre le Discord. Le Discord de Microsoft Student Developer Community. Quand tu rejoins le Discord là, il y a une partie qui dit commencer par ici. Channel qui s'appelle Start Here. Tu vas rentrer dans ce channel là et tu vas lire les étapes là. Ce workflow qui est défini comme ça, c'est comme ça qu'on suit ça pour devenir MLSA. Maintenant, c'est ça la nouvelle procédure. Et pour pouvoir devenir MLSA, il y a trois catégories trois paths que tu peux choisir. Tu choisis un seul path parmi les trois. Premier path, c'est Community Influencer, qui est la personne qui partage généralement des ressources sur les apprentissages et ce qu'il est en train de faire. Et avec ça, en contrepartie, toute personne qui est en train de visiter ces ressources-là et utilise ces ressources-là, tu as un tracking derrière qui te comptabilise le nombre de personnes qui sont en train de visiter ça. Chez Microsoft Student Ambassador, ça s'appelle Unique Visitor ou bien Contributor ID Visitor. Bon, un truc comme ça. Mais en gros, tu utilises un tracking dans tes ressources partagées là pour pouvoir avoir le nombre de personnes qui sont en train
de visiter, d'utiliser et de repartager également tes ressources. Ce contributeur ID là, tu l'obtiens quand tu finis le training, technical training. Une fois que tu finis le technical training, tu prends, tu reçois ton contributeur ID 3 à 5 jours après. Et une fois que tu l'as reçu, tu vas aller prendre un PAF spécifique entre Community Influencer ID et Community Builder qui crée, comme le nom l'indique, qui crée des communautés. Et on a également un dernier PAF qui est le Startup Advocate. Startup Advocate, c'est cette personne-là qui fait et de l'advocacy, qui négocie. C'est toi le chef de l'incubation et tu incubes et des startups, des petites entreprises qui utilisent essentiellement l'IA dans leur développement, dans leur solution. Alors, quelqu'un qui utilise essentiellement l'IA pour faire des développements, que ce soit mobile, web et robotique, tout, IoT, tu peux recommander ces personnes-là dans le Microsoft Founder Hub. C'est Microsoft Founder Hub qui va s'occuper de fournir tous les outils nécessaires à ces entreprises-là que tu as recommandées de pouvoir continuer leur développement et de pouvoir avancer. Genre, Microsoft Founder Hub va les propulser. Il y a eu un événement de Microsoft Founder Hub qui s'est passé, je pense, en avril ou bien en mars, qui a parlé de comment est-ce qu'on peut être incubé chez Microsoft Founder Hub et avoir des ressources nécessaires, des financements et des ressources, outils nécessaires pour pouvoir développer leur entreprise. Donc, toi, tu recommandes des entreprises comme ça et plus, des startups comme ça et plus. Voilà. Une fois que tu remplis les requirements qui sont pour le Startup Advocate, cette startup et Community Influencer, 200 unique visiteurs et puis Community Builder, 150 membres de communauté. Tu es déjà MLSA, tu passes au niveau alpha, tu complètes et puis tu deviens bêta et tu poursuis ton programme tranquillement pour devenir gold. Après, si tu veux devenir MVP, après, si tu veux devenir un employé de Microsoft ou bien un régional de Microsoft. Je pense que je viens de faire le bref résumé de ce que j'ai dit il y a à peine quelques minutes. C'est bon, cher ami Kwasi. C'est bon, je pense que c'est bon. Alors, Was, tu n'étais pas satisfait. Ok, il y a une main qui est levée. Ah, ok. Joseph, oui. Oui, s'il te plaît, Jeffrey, tu as parlé tout à l'heure de Regional Director là. Je ne sais pas si tu as des éléments à partager à propos de Regional Director. Bon, comment on arrive là, quoi? Regional Director là, c'est le gros niveau de MVP, c'est ça même. Moi, bon, je ne connais pas comment on arrive là-bas déjà. Mais, je peux vous indiquer un tout petit peu, d'après mes expériences que j'ai eues, les discussions, pas à pas que je suis en train de mener. Pour devenir Regional Director, c'est que tu es reconnu dans la communauté Microsoft comme quelqu'un qui a eu à travailler et à être outillé avec les produits Microsoft, qui a eu à manager des communautés de Microsoft, que ce soit sous des ambassadeurs ou bien que ce soit d'autres communautés. Ça peut être dans les .NET, ça peut être dans les Azure, ça peut être dans les C# et autres. Donc, si tu as eu de l'expérience dans l'utilisation des produits Microsoft comme ça et que tu as reconnu mondialement et aussi de façon MVP, genre tu as un background de MVP, donc reste assuré que si tu veux devenir Regional Director, il suffit tout simplement de faire des sollicitations
chez les regional directors et les employés de Microsoft que tu as déjà côtoyé, que tu connais bien, que tu discutes bien et qui peuvent te recommander comme regional director d'une région spécifique. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai été assez clair comme l'eau de roche, comme j'ai toujours été. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, toi. Je t'en prie. Ok, monsieur Costi, c'est bon. Cher ami Washio Buraimo, revenons donc sur ton débat et les parties, les zones d'ombre que tu as, tu peux me les poser. Je vais te répondre aujourd'hui. Sinon, on ne quitte pas. Ouais, il disait que avec chose, comment on appelle ça, moi? Je suis développeur Flutter. Puis je vais devenir VP Microsoft et Valuable Professional. Ok. Et puis. Maintenant, je vais te poser la question. Tu veux devenir un VP, mais dans quel domaine? Avec Flutter? Avec Flutter. Est-ce que tu es intéressé par des produits que Microsoft produit et sort? Are you talking to me? Je vous pose la question. Ouais. Je me suis intéressé par MLSA. Tu t'es intéressé par MLSA et quels sont les produits spécifiques que tu aimerais apprendre et approfondir tes connaissances dedans? LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil professionnel, réseau social, autant pour moi, professionnel, pour pouvoir faire du réseautage, de l'apprentissage, des cours et des partages et tout. Mais ça veut dire que est-ce que tu veux développer LinkedIn ou bien tu veux faire quoi? Tu es intéressé par quoi? Réponds-moi vraiment pour qu'on puisse continuer. Sinon, au cas contraire, tu n'es pas intéressé par les produits Microsoft, mais tu veux venir seulement employer Microsoft. Tu peux revenir. Je t'avais pas suivi. Ce que tu as dit généralement. Oui, je disais. Allô? Tu m'as dit tu es intéressé par LinkedIn. Mais quel aspect de LinkedIn vraiment? Donc, je vais devenir chose. Regional lead de LinkedIn. Il n'y a pas de regional lead de LinkedIn. Ouais, je suis vraiment. Non, ne me fatiguez pas. J'allais y en a du mort au live. Ok, je pense que le problème de Washio Buraima, ça va se régler en inbox dans le groupe. Mais me laisse à toi. Je refuse. Je vais donner la parole à ceux qui veulent vraiment poser des questions. Bon, monsieur Gilles. Ok, j'ai compris. Tu fais quelque chose, moi, je veux comprendre. Tu refuses de ne pas comprendre. J'ai compris. Je n'ai pas refusé, sauf que tu ne veux pas parler spécifiquement des produits Microsoft que tu aimerais devenir un expert reconnu par la communauté de Microsoft dedans. Je veux devenir expert de LinkedIn. Non? Comment est-ce que tu veux devenir expert de LinkedIn? Cher ami qui est dans le mythe, répondez-moi, comment est-ce que quelqu'un veut devenir expert de LinkedIn? Un expert utilisateur de LinkedIn? Ou bien comment? Il veut nous casser la tête ici, les gars. Là. Il sait très bien qu'on est en mythe. Save them. Monsieur Gédéon, allons-y. Je vous donne la parole de poser votre question paisiblement et gentiment, tout simplement, en oubliant notre cher ami. Je veux premier ma vie. Voilà. Il a répondu à ma... Il a dit à ce que je voulais. Gédéon, tu peux aller. Monsieur Gédéon, moi, vas-y. Question.
C'est lorsque on débloque tout sur Discord, comment choisir sa spécialisation? Ok. Quand on vient sur Discord, il y a... Est-ce que je partage toujours mon écran? Je vais partager mon écran. Quand on finit de lire Start Here, le Start Here, Oui. on tombe sur... Non? On tombe sur Entendons. Additional Information, Oui. le FAQ. Oui. Maintenant, c'est dans ce FAQ-là que vous avez des informations sur tout ce qui est Community Influencer, Community Builder et puis Startup Advocate. Rôle. OK. Rôle, moi, je ne peux pas voir rôle, mais vous, vous devez voir rôle. Oui. Maintenant, quand on veut choisir, est-ce qu'il y a les trois choses à choisir? Donc, je choisis ce que je veux. Je choisis Voilà. et je bascule. Je prends Compris. Community Influencer là tout de suite. Dans le FAQ, il y a une partie où tu dois aller pour cliquer sur ton rôle directement. Bon, il y a toujours un lien à l'intérieur de ça qui va t'amener à aller cliquer sur ton rôle parce que tous ceux qui sont et nouveaux à l'intérieur ont une partie qui est rôle là. Quand tu cliques, tu vas sélectionner ton rôle en fonction de ce que tu es en train de choisir. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais aller voir si je peux trouver quelqu'un pour faire voir son rôle. Non, c'était un peu de... Tu peux me prendre. Pour te trouver là, ça va être difficile. T'as quoi scoder dans le truc là, tu vas me voir là-bas, là. C'est quoi ton plan là? D'abord, tu as refusé de répondre à ma question, tu refuses aussi de me choisir. Wachou, toi là, c'est un cas. Mais tu es ici, non? Je suis ici avec toi. Armel est ici, non? Armel et Muriel. Voilà. Notre tantine. Voici Muriel qui est déjà dans le mythe. Je dis dans le mythe. Sorry. Muriel est dans le truc là. Donc, vous pouvez discuter hein, comme vous voulez. Vous pouvez partager vos ressources. Tout ce que vous êtes en train de faire, les sharing là, vous partagez. Et est-ce que Muriel est dans le mythe actuellement? C'est quel rôle, s'il te plaît? Je crois qu'elle est tapotée de mettre le cœur. Ok. Vrai, dis-moi la vérité. Pourquoi tu veux? Et si on prend Muriel qui est Community Influencer, c'est Community Influencer qu'elle a choisi. Quand on clique normalement ici, on doit avoir Community Influencer comme rôle. Et bon, elle a son GitHub qui est connecté, c'est pour ça qu'elle a GitHub Student. Je vais prendre une autre personne. On doit avoir le rôle. Bon, lui, c'est un student ambassadeur. C'est pour ça qu'il a le rôle student ambassadeur. On va choisir quelqu'un. Bon. C'est parce que je suis ambassadeur, c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir
rôle de nos amis ou bien comment. Anyway, vous avez compris quand même ce que je voulais dire, donc voilà. Je dois trouver Armel. C'est lui ça. Bon, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? S'il vous plaît. Voici au gouvernement. Avez-vous d'autres questions? Bon, je fais. Oui. Je me demande, est-il possible de passer directement au MVP sans passer par... Tu as refusé de répondre à ma question. Bien sûr. Sans passer par MLSA, tu peux devenir MVP direct. Mais est-ce que tu connais un peu les procédures là? Alors, les procédures sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, toujours avoir cet amour-là pour la communauté, partager ses ressources d'apprentissage. Supposons un individu bêta. Bon, un individu X qui est en train d'apprendre .NET et qui développe des produits avec .NET, C#. Genre, cet individu X-là connaît également l'utilisation de Python et développe des solutions avec Python. Du coup, cette même personne est en train de travailler sur Python, en train de travailler sur .NET et C# et partage ses ressources, partage ses apprentissages, partage ses projets. Forcément, il y aura quelqu'un qui va le remarquer. Si tu es dans la communauté de Microsoft, que ce soit sur Discord, la communauté directe de Microsoft, ou sur les réseaux, et que tu participes généralement à des événements de Microsoft, soit passant, et en partageant, et en côtoyant un peu ceux qui sont dans le domaine, les pros du domaine. Genre, supposons qu'il y a un John Peak qui fait du chaud, et que tu apprends de ce John Peak-là, et tu le tags aussi sur tes publications en demandant des, comment on appelle ça maintenant, des reviews. Forcément, un jour, ce John-là va te nominer un VP, toi-même, tu vas dire, hey, alhamdoulilah, John, tu vas recevoir ton mail d'invitation de rejoindre le programme MVP, quoi. Donc, c'est comme ça. Le programme MLSA met tout simplement la visibilité sur nous, étudiants MLSA, et pour pouvoir devenir ce MVP-là rapidement, après combien d'années? Après deux, trois ans, je peux devenir MVP. Tu es, comment je vais dire, continuellement dans le programme et tu partages toujours. Mais en tant que personne simple, après un an et demi, tu peux être MVP si tu es dans le domaine de Microsoft depuis toujours, quoi. Là où j'ai d'inquiétude, c'est si on commence MLSA, on est d'abord bêta avant de passer à alpha, avant de passer à gold. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'un bêta puisse directement passer de stade bêta vers MVP? S'il a été... Oui, hyper... il n'y a pas de... Je peux dire que ce n'est pas un pont de passer par gold avant d'arriver à MVP. Ok. C'est-à-dire que ton programme MLSA là, d'une part, n'a rien à voir avec le programme MVP. Donc, tu peux être sélectionné MLSA, tu es bêta après 2 mois d'activité dans MLSA, mais tu es déjà connu depuis dans le domaine, dans l'environnement et écosystème Microsoft, que des employés, des regional directors, des MVP eux-mêmes te nominent déjà même pour devenir MVP, en fait, quoi.
Ok. Voilà. C'est ça qu'on vise, MVP. Donc, ce n'est pas une obligation de passer forcément par MLSA pour devenir MVP. On peut devenir MVP quand on veut, de n'importe où même. Ok, ça marche. Merci. Mais il faut noter que quand tu es MLSA, tu as plus de facilité de vivre. C'est parce qu'il y a une visibilité sur toi directe avec le programme manager, les directeurs et les régionales, les MVP aussi qui sont déjà dans le programme. Tu te montres très rapidement en fait. Donc, tu as cette facilité-là d'être vu rapidement, passer MVP. D'accord, merci bien. Je t'en prie. D'autres questions? Mais je ne vous ai pas encore montré mon cadeau de Golden. C'est resté quelque part. J'arrive. Monte. Et envoie-moi quelque chose à Dakar. Bien. Charles va devenir MVP. Je dis MVP. Bon, MVP, Inch'Allah. Va devenir gold bientôt. Charles à Dakar. Tu connais oui, Charles? On a discuté sur LinkedIn, mais on ne s'est jamais vu. Ok. Ouais. Ouais, c'est lui. Je vais essayer de le contacter. Je vais essayer. Bon, je vais partager mon écran là. Partage d'écran, tout l'écran, oui. Le casque est déjà gâté. Hein. Si quelqu'un a du col, la personne n'a qu'à me prêter. On vous dit, dans toutes choses, la violence de Jérémy, vous prenez là, je vous fais violence sur le truc. Et vous attendez à quoi? Vous appliquez votre force de football. Vous appliquez votre force de football là. Voyez quoi, c'est qui demande comment choisir le rôle. Donc, voici un tout petit peu ce qui m'a été envoyé. Il y a une question dans le chat. Il y a une question. Ah, ok. Comment on choisit le rôle lorsqu'on arrive à l'étape start here? Lorsqu'on arrive à l'étape start here, et où est mon document? Go to ambassador.com. Oui. Voilà. Dans le document Start Here, je l'avais téléchargé quelque part. Dans le document Start Here, là où il faut aller choisir, là, c'est ici. Ça, là. Il faut cliquer sur troisième point bleu là. Ça va me dire encore des icônes. Et oui. Mais pourtant, je me suis déjà connecté. Ah. En fait, quand tu es ici, tu cliques sur le troisième là. Tu cliques sur le troisième là pour t'envoyer sur le rôle. Tu as déjà partagé le document? Ok, je n'ai pas envoyé ça ici. Voilà.
Désolé. Oh, ok. Je vais mettre ça dans la description de la vidéo parce que je ne peux pas mettre ça ici. C'est bon? Moi, j'ai cliqué dessus, mais ça me renvoie toujours vers StatHier. Ça te renvoie toujours vers StatHier. Ouais. Tu as fait l'enregistrement et tu as complété le technical programme. Le technical training. Washi, vous faut répondre. C'est Washi qui va répondre. Il dit quoi, bah, c'est quoi la question? Je demandais si est-ce que tu as complété et tu as fait la registration. Et que Moi? tu as complété le technical training. Moi? Non, 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 c'est Monsieur Kossi. Ah. Ok. Ah, ok. Il avait fait ça, alors, je crois bien. Et vous n'avez pas les rôles quelque part ici? S'il vous plaît. Il y a les rôles dans Stat, non? Excusez-moi, Parce que mais... moi. Moi, je ne peux pas voir ça en même temps ici, là. Bon, si vous Allez voulez, voir ça je là. peux partager mon écran. Vous allez voir ça. D'accord. Ok. Il doit connecter son Discord à GitHub, quoi. Je pense l'avoir connecté. Hein. Allez. Après, tu Il va comprends, c'est moi, partager. il dit. Ça, c'est sorti. Il va partager son écran, on va voir. Tu comprends pourquoi je Voilà. veux devenir MVP de LinkedIn, non? S'il y a Je pour pense que Discord ouais, aussi. c'est bon, non? On peut continuer la partie pratique sans problème, non? Partie pratique de quoi encore? Et monsieur et Benou va partager son écran et puis on va On n'a gérer qu'à partager, ça. partager, partager. Sur la Ok, donc. documentation. J'ai l'impression que je suis sur une autre discussion. Quand vous mettez les documents, même Ouais, je est-ce ne que le tu peux vois pas. arrêter le recording? Ah, ok, j'arrête ça. Vous voyez mon écran? Oui. En cliquant Donc, sur voici.